Venu frère Kabongo Esaïe. A servi sur le frère Kabongo Esaïe. Relève la voix, le frère Anaclet Kipopi. Celui qui est après lui, c'est le frère Anaclet Kipopi. C'est ma soeur, d'abord, on est dans le Mouchmaï. La soeur, après mariage, elle va partir en Mouchmaï. Mais comme nous aussi nous venons de prendre quelques minutes. Esther également va partir à Bukumai. Que Dieu soit loué. Et Mungu pour 2 semaines et demie, mariage au Tétafat. Dieu voulant, en 2 semaines, on va célébrer ces deux mariages. S'il y a une objection, vous pouvez nous l'annoncer bien avant. Que Dieu bénisse richement. Vous pouvez regagner vos places. Je vous donne le numéro de Jacques Kapanda. Il faut que vous téléphoniez. Il faut le téléphoner. C'est très important. Le mariage de Fanny Kassoubi Adjan. Le mariage de sa fille a eu lieu hier. Le numéro est 0027. Le numéro c'est 0027. 72. 63. 46. 46. 532. 532. 0027. 0027. 72. 72. 63. 63. 46. 46. 532. 532. Na mutumishi yuko na malisa siku ya leo. Le frère termine sa prédication aujourd'hui. Mardi tukunaze directement mambo ya kongere ya Pasaka. Le mardi nous commençons directement la Pâque. Yuko tunaintroduire déjà vendredi. Parce que nous l'avons introduit déjà ce vendredi. Na le 15 tukunaveza la Sainte Cène. Et le 15 avril nous allons prendre la Sainte Cène. Membre yote wa hii eglise. Tout membre de cette église aweze kujiplacer jusqu'à le 15. Ne peut pas se déplacer jusqu'au le 15. Faut fouette vite vite. Devez-vous suivre toutes les instructions. Jukuku bantu abayakula la Sainte Cène. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais mangé la Sainte Cène. Ils fuient la Sainte Cène. Mais comment on a fait la Sainte Cène? Mais si tu fuis la Sainte Cène. C'est-à-dire que tu es en train de mener une vie qui n'est pas correcte. Car tout Israël a bien mangé la Sainte Cène. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il y a des choses très importantes que nous voulons voir dedans. Tous les visiteurs peuvent se tenir debout. Et nous aurons les saluer. Je demande à l'Église de saluer tout le monde. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons les rendre.